Bonjour tout le monde, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté lunettes, et aujourd'hui je voudrais vous parler du karaté aux Jeux Olympiques, hein, parce que là on est à quelques semaines de pouvoir prétendre aux Jeux Olympiques pour 2020 à Tokyo. Et donc j'avais mis un article sur mon site pour vous l'annoncer, et puis je reçois quand même. Pas trop, mais je reçois les mails, je vois des fois des commentaires sur Facebook de gens qui, ouais, je sais pas si c'est bien, ça donne une mauvaise image au karaté parce que la compétition, eh bien c'est que quelques techniques, c'est juste des petites touches, bon, alors moi je voudrais en fait vous donner mon avis personnel hein, sur ce que je pense, pourquoi moi je pense que le fait que le karaté soit au JO, bah, c'est une très bonne chose pour le karaté, à mon humble avis. Pourquoi ? Alors, pourquoi c'est une bonne chose pour le karaté, aussi bien le karaté de compétition que le karaté traditionnel, que le karaté pour les enfants ? Je pense que c'est vraiment très bien. Alors, le karaté, la compétition, il faut savoir qu'en fait, les gens qui font de la compétition dans les clubs, bon, ça dépend des clubs, mais en fait, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de personnes hein, qui font de la compétition. Quand vous allez dans les compétitions, il n'y a pas un monde fou, alors que quand vous prenez le nombre de licenciés, il y a beaucoup plus de monde qui font du karaté traditionnel que du karaté en compétition. Donc ce qui veut bien dire que c'est pas parce qu'il y a de la compétition que les gens ne font plus de karaté traditionnel dans les clubs. On me donne souvent l'exemple du judo en me disant « Regarde le judo, ce qu'ils font en compétition, maintenant ça ressemble plus à la voie de la souplesse. » Bon. Peut-être que le judo en compétition est pas si bien que voilà qu'on voudrait que le judo traditionnel. Ça n'empêche que dans tous les clubs de judo, ils font du jiu-jitsu, ils font du judo traditionnel. Et pourquoi la fédération de judo a beaucoup plus de licenciés et pourquoi il y a beaucoup plus de monde qui font du judo que de gens qui font du karaté, enfin tout du moins en France, ça vient quand même beaucoup parce que le judo est olympique. Hein, et donc ils ont beaucoup plus de moyens, donc et bon, sans même parler en termes de moyens, en termes d'image, ça fait longtemps que je fais du karaté, ça n'empêche pas que dans ma famille, il y en a encore qui me disent que je fais du judo, quoi, parce qu'ils ils voient le judo souvent, alors que le karaté, ils n'en entendent même pas parler. Hein, vous promenez habillé comme ça, tout le monde, ah tu fais du judo ? Donc ils ont au niveau communication, les Jeux Olympiques apportent énormément en termes de communication. Donc le fait que le karaté soit au JO, moi je trouve que c'est très bien parce que ça permettra au karaté d'être vu à la télé et pas que par des gens qui font du karaté, parce qu'actuellement, bah, des fois il y a des compétitions, très peu à la télé, mais on peut en trouver sur YouTube, sur tout ça, enfin on peut en trouver, mais qui c'est qui les regarde ? Des gens qui font du karaté. Les gens qui en font pas, en général, ne les regardent pas, mais il y aurait du karaté à la télé, aux heures de grande écoute et tout ça, bien voilà, les gens verraient ce que c'est, même s'ils ne voient qu'une petite partie du karaté, parce que voilà, ils vont voir le côté spectaculaire des compétitions, ça n'empêche pas que c'est beau quand même. Quand j'entends les gens qui me disent ouais, les karatéka, c'est que de la touche, bah oui, mais c'est le principe du karaté, hein, parce qu'au karaté, justement, on me dit le karaté traditionnel, c'est quand même autre chose. Non, dans les clubs, les gens, ils ne se tabassent pas, hein, c'est pas possible, sinon on ne peut pas travailler. Si moi, dans le club, j'ai mon adversaire et que on ne joue qu'une fois, quoi. Hein. On est obligé de contrôler et puis de s'arrêter, parce que ça fait partie du karaté. Alors après, on pourrait très bien s'habiller, des gants, des machins, comme en taekwondo, mais c'est pas le karaté, quoi. Le karaté, c'est pas ça. Le karaté, ça a toujours été, bam, on frappe, on revient, ça a toujours été comme ça. Enfin, ça a toujours été, plus du moins, en compétition et dans les affrontements en face à face. Même quand vous faites du kion-hipon-kumité, quand vous faites de l'hipon-kumité, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête avant, on frappe pas. C'est pareil hein, en compétition, mais je trouve que le fait qu'on ne touche pas en compétition montre plus le karaté traditionnel comme on le voit dans les clubs que si on avait des plastrons, des casques et puis qu'on se frappait comme au taekwondo. Parce que dans nos clubs, on ne fait pas ça. Dans les clubs, on ne fait pas ça. On fait du kion, on fait du kata, on fait du travail par deux, où il y a à chaque fois le contrôle absolu. Et je trouve que c'est bien que dans les compétitions, il y ait du contrôle absolu. On me dit aussi que dans les compétitions, les gars, ils font qu'une technique, ils ne savent rien faire d'autre. Bon,
Enfin bon, les faut arrêter quoi. Hein. Les compétiteurs, ça reste quand même des athlètes de haut niveau. Ça reste des karatékas de haut niveau. Ok, au moment où le gars il va faire sa compétition, s'il est spécialisé dans les combats, il va pas s'amuser toute la semaine évidemment à faire à réviser tous ses katas. C'est normal. Il travaille sa compétition. Pareil que vous, si vous allez passer votre deuxième dan et puis que vous avez deux katas à travailler, bah, les semaines avant vous allez travailler les deux katas là. Vous n'allez pas aller réviser Yann Nidan. C'est pas le moment de le faire. Vous voyez, c'est pareil. Donc les compétiteurs, faut pas croire, c'est les athlètes de haut niveau. Et en plus, techniquement, ils sont forts. Ils sont forts en kata, ils sont forts en combat. Et puis après, ben, ils se spécialisent. S'ils sont meilleurs en kata, ben, bien sûr, à la compétition, ils vont présenter des katas. Ça n'empêche pas qu'en combat, voilà, ils nous mettent à tous, ils nous mettent une tôle. Quoi. Et puis c'est normal, c'est des athlètes de haut niveau. Quoi, hein. Donc, faut arrêter. C'est pas parce qu'en compétition, ben, ils s'adaptent aux règles de la compétition qu'il doit bien y avoir des règles. C'est la compétition est comme ça. Donc voilà, bon, je parle beaucoup, mais je pense vraiment que le karaté aux Jeux Olympiques, même pour les enfants, ça va dynamiser vraiment le karaté dans les fédérations, dans les clubs. Ça va emmener des adhérents dans les clubs, mais c'est pas juste pour emmener des sous dans les clubs, hein, c'est pour dynamiser les clubs. Et puis voilà, pour qu'on soit plus sur les tatamis à travailler, plus à faire des cours de karaté traditionnel. Hein. Après, c'est à chaque professeur de... C'est sûr que si chaque professeur fait ce que les élèves veulent faire que de la compétition, ben, il fera que de la compétition. Mais ça, après, c'est son problème à lui. Mais il n'empêche que pour passer la ceinture jaune, la ceinture orange, la ceinture verte, ben, il y a toujours les mêmes passages à faire. Donc chacun devra travailler le karaté traditionnel. Et voilà, je pense vraiment qu'en termes d'image et en termes de communication, le karaté aux Jeux Olympiques, c'est vraiment très bien. En plus, pour moi, l'image des Jeux Olympiques, enfin les vertus qu'apportent les Jeux Olympiques correspondent vraiment à celles qu'on a dans le karaté, hein, le code du sportif, tout ça pour moi c'est les mêmes valeurs à peu de choses près, donc je pense vraiment que c'est vraiment une très bonne chose et je me réjouis si le, enfin j'espère, on y croit, je me réjouis si le karaté va aux Jeux Olympiques. Hein, j'avais d'ailleurs fait une pétition, si vous voulez aller la signer, allez-y. J'ai pas encore envoyé la dernière lettre que je voulais envoyer au président du CIO, donc allez signer la pétition et puis j'envoie le courrier dans la foulée. Écoutez, je vous remercie. Voilà, je croise les doigts pour que le karaté soit aux Jeux Olympiques. Je pense vraiment, sincèrement, que c'est une bonne chose. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur karaté-blog.net et sur karaté 3G. Bye bye!